Suite et fin du temple du feu, en tout cas, je l'espère. Nous avons trouvé une petite clé dans le dernier épisode. Alors maintenant, il faut redescendre au moins un et retrouver comment on fait pour utiliser cette clé sans se faire tuer. Voilà, c'est là qu'il faut aller. Mais pour ça, il faut faire tout un grand tour. Évidemment, par là, ça va pas marcher, puisque c'est là qu'il faut aller. Par contre, on peut faire le tour par ici, maintenant. J'ai déjà fait dans l'épisode précédent, hein, mais... Comme, pour moi, toutes les salles se ressemblent... Je galère un peu. Ah, c'est bon, j'ai réussi. C'était pas si compliqué. Alors, allumage de la dernière torche. Ah! C'est bon, j'ai réussi! Maintenant, il faut revenir au nord de, de cette pièce pour aller chercher la clé du boss. Alors, non, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai passé par là. Pas mal. Ensuite, pour aller là-haut. Je sais que j'avais galéré. Non, c'était plus dans, pour aller au moins deux que j'arrivais pas. Ouais. Rez-de-chaussée. Non, il faut pas que j'aille au rez-de-chaussée. Je me suis déjà fait avoir. Suffisamment de fois. Il faut que j'aille au moins deux. J'arrive pas, par là, puisque maintenant on remonte. Voilà. C'est cette porte-là que j'ai ouverte. Et comme prévu, la clé du boss. Allez, cette fois-ci, sauvegarder et quitter. C'est au moins deux. Oui, c'est au moins deux. Allez, on affronte le boss avec un cœur et demi. On a de l'espoir. Ouh, il est beau. Bon. On va supposer qu'il faut le tuer avec la baguette de feu. Ouh, il est très très beau. D'accord. C'était une première rencontre assez mouvementée. Le problème, c'est que j'ai très très peu d'énergie magique. Alors, il me lance des boules de feu. Est-ce que je peux lui relancer? Ah oui, c'est ça. Donc il y a les yeux qui scintillent très discrètement, juste avant de faire sa super attaque.
Déjà, j'arrive. Oh là là. Il scintille beaucoup trop discrètement à mon goût. Et ça va beaucoup trop vite en plus. Ah, c'est bon, là j'ai réussi à réagir quand même. Et pas là. Bon, ça va pas être facile. Déjà, je reste le plus au fond possible. Ah, je suis tombé. Ah, j'ai vraiment pas le temps hein, de réagir quand ses yeux ils brillent. Ok, donc en fait je me suis pas posé de questions, j'ai juste accepté qu'il me touche à chaque fois qu'il fait sa super attaque, et puis voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc nous arrivons dans la première salle, oh, gemme de force, et c'était la seule. Ce donjon est original. Tu as trouvé une gemme rouge, c'est un trésor inestimable! Oui, je sais pas du tout à qui il faudra la donner. Aucune idée. Au revoir, Temple du Feu. Alors, eux, je suppose que maintenant, on peut les tuer avec la baguette. Donc, je sais pas quoi faire de la gemme rouge. Non, déjà, c'est pas ça. Je sais pas quoi faire de la gemme rouge, mais j'ai une petite idée avec la baguette de feu pour commencer. Parce que s'il y a bien un endroit qui nous nargue depuis très longtemps, c'est ici. Haha. Qu'est-ce qu'on a là-haut, un vieux sage? Je me suis isolé du monde pour méditer sur le sens de la vie. Mais je dois bien admettre que certaines choses me manquent, comme le bon vin par exemple. Allez, ça va être ça, je suis sûr. Yes! C'est une bouteille de vin que tu as là, donne-la-moi, je te donnerai de l'or en échange. Ouais, donne-moi tout ce que tu veux. Ok. Je sens que j'approche de la vérité. Tu as troqué ta bouteille contre de la poudre d'or. Donc je sais pas non plus qui veut de la poudre d'or, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a une gemme de force, mais on les a pas toutes. Comment ça se fait? Et dans le futur... T'es qui, toi? D'ici, je peux admirer le lac de lave. D'ailleurs, j'adore tout ce qui est rouge et qui brille. Ça, ça tombe bien, regarde ce que j'ai pour toi. C'est une magnifique gemme que tu as là. Tu me donnerais contre une surprise? Mais avec plaisir. Merci, voilà ta surprise depuis le temps que je cherchais à m'en débarrasser. Une enclume! Ah bah ça, je sais pour qui ça va être. Ça, c'est facile au moins. Tu ne peux plus courir ni nager? Non. Bah ouais, c'est logique en même temps, hein, vu tout ce que je transporte déjà, alors rajouter une enclume. Ok, alors il me manque des gemmes de force. Mais honnêtement, tant que j'ai l'enclume... Je peux plus courir, alors ça m'embête beaucoup. Donc je vais tout de suite aller m'en débarrasser à la forge. Si je me souviens bien, c'était dans le passé, dans le village des mouettes. C'était vraiment si long que ça au début du jeu. Mais c'est vrai que quand on va en diagonale, ça va un peu plus vite. Ok, donc... Apparemment, c'était pas du tout dans le village des mouettes. Puisque ça, c'est la hache. La mince alors.
Champ du temps accéléré, c'était pourtant pas dans le présent. Bah non. Ah, alors c'était au village Cocorico? Je suis quasi sûr que c'est dans le passé, donc peut-être que c'était au village Cocorico. Je suis passé plein de fois dans cette fameuse forge, je lui ai proposé des balais, des bouteilles de vin, plein de choses. Il n'a jamais rien voulu. Maintenant que j'ai ce qu'il faut, je trouve plus. Ou alors c'était pas dans un village. C'était peut-être une maison isolée quelque part. Alors il y a la prison. Ah oui, c'était... C'était pas sur l'île de Tingle? Non, il n'y a rien sur l'île de Tingle. Donc c'était peut-être sur une des autres îles. Ouais, je crois que c'est ça. Non, je voulais jouer le chant de l'envol cette fois-ci, je me trompe à chaque fois. Je crois que c'est là, juste au-dessus du temple de l'eau en fait. Par contre, pour y aller, c'est pas forcément facile. Je peux plus courir. Bon. Faut juste que je trouve un ponton pour plonger dans l'eau. Nager? Je peux plus nager ni courir jusqu'à ce que je m'en sois débarrassé. Et la barque a coulé. Alors, par contre, il me semble que dans le futur, on peut y aller à pied sans avoir besoin de nager. Ouais, c'est ça l'astuce. En supposant que mes souvenirs soient corrects et que la forge soit bien là où j'ai dit, c'est-à-dire près du temple de l'eau. Alors, le grappin. Là aussi, il me manque des gemmes de force. Mais bon, je m'en occuperai plus tard. Ah oui, c'est bien là. Salut mon pote, j'ai quelque chose pour toi. Oui, un peu. Je peux t'en délester si tu veux. Je pourrais en avoir besoin, je te donnerai même une petite récompense pour l'effort. Oui. Un fer à cheval. Qui ça pourrait bien intéresser? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qui ça peut intéresser. Ça fait du bien de pouvoir courir à nouveau, hein. Ah, ça fait du bien. Pardon. Donc par contre, dans ces coins-là, il me manque des gemmes encore.
Donc, je pourrais essayer de m'occuper de ça. Normalement, là, il y a un ponton quelque part dans le présent et dans le futur. Oups. Par contre, ici, j'ai tout. Oui, ça, je me souviens. J'avais même réussi à trouver un cristal magique et un bug. Donc c'est là que j'ai pas tout. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mon fer à cheval? De mon balai et ah oui, il y a aussi la poudre d'or. La poudre d'or, ça pourrait être pour Tingle. Mais bon, j'ai déjà fait un échange avec lui, donc je suis pas sûr qu'il y en ait plusieurs à faire. Bon, alors dans tout ce morceau-là, il n'y a rien. Alors, du coup, je vais repasser par le futur, vu qu'il y a le pont. Puis par le présent, parce qu'en fait, j'ai envie d'aller voir sur les deux îles. Est-ce qu'il n'y aurait pas des pierres noires? Voilà. Donc, c'est pas encore tout. Tant que je suis là, je vais aller dans le futur. Vérifier exactement la même chose. J'aime. Par contre, là, j'ai tout. Donc, dans ce secteur-là, il me reste plus que le passé. Oui, sauf que vaut mieux que je voyage dans le présent. On va essayer celle-ci maintenant. Ok, ici, il n'y a rien. Il y a encore toute cette île qui est dans le même secteur. Je me souviens que c'est pas forcément facile d'y aller. Si, on peut y aller par là. Donc présent, futur, c'est bon. Il reste le passé pour les gemmes de ce secteur. C'est pas là, mais ça aurait pu. Donc c'est pas là, c'est dommage. Ah, ça... Oups. Grappin. Ça peut être là encore. J'ai bien tout nettoyé. Là-bas. Ah, c'est pas là. Ah, il y a encore quelque chose là. On va faire le tour. Et voilà notre dernière gemme de ce secteur. Et ici on les a toutes. Ok, et ben on va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, on essaiera de voir qui veut notre poudre d'or, notre... Alors balai, j'y crois plus trop. Et notre fer à cheval. Salut, à bientôt.